feria de Vic Fezensac, comme chaque week-end de la Pentecôte, attire un public dense et hétéroclite ce samedi 22 mai 1999. Il est 20h quand, dans les tribunes, plusieurs magistrats locaux reçoivent des appels téléphoniques. Leurs visages se font soudain graves. Et bien évidemment, des confrères se sont renseignés. Et donc, quelqu'un a dit « Vous devriez aller voir du côté de Montfort, il s'est passé quelque chose de grave ». Montfort, c'est à 40 km de Auch, dans le Gers. Lorsque les journalistes arrivent sur place devant la ferme La Boupilière, un fourgon de gendarmerie est là, comme pour monter la garde près du bâtiment où gisent 4 personnes massacrées. Au lieu de cela, un lieutenant-colonel de gendarmerie accueille les visiteurs et propose d'entrer. On était juste devant la maison, il nous a demandé si on voulait voir la maison, faire un tour, mais on a dit non parce qu'on était pressé par le temps. En réalité, il n'y a pas eu d'espace protégé. Il n'y a pas eu de véritable préservation de la scène de crime. Tout le monde a pu pénétrer sur et autour de la maison, ce qui fait qu'on va retrouver tout et n'importe quoi. Ceux qui ont pénétré dans la maison sont marqués à jamais. Ils y ont découvert une scène de cauchemar. Dans la cuisine, gît sur le ventre Johan New Venus. Ses pieds et ses mains sont ligotés de bandes adhésives. Son corps est lacéré de coups de couteau, une quinzaine en tout. Des plaies profondes aux bras et aux jambes, aux genoux, au thorax, à l'abdomen, laissent à penser qu'il a été torturé. Son sang a jailli, maculant le carrelage de la pièce. Dans la chambre la plus proche, au rez-de-chaussée, affalée sur le lit, sa femme, Dorothea New Venus, a la gorge tranchée. Comme pour son mari, ses membres sont entravés. Elle a aussi été bâillonnée avec du ruban adhésif. Une des chambres du premier étage présente la même scène d'horreur, une réplique, une photocopie. Mais là, c'est Marianne Van Hulst, la sœur de Dorothea, qui gît sur le lit. Ligotée, bâillonnée, égorgée elle aussi. Les deux sœurs ont connu la même fin terrible. Le petit atelier au fond du rez-de-chaussée semble être fermé à clé. Les gendarmes enforcent la porte bloquée par un panneau de bois tombé à l'intérieur. Ils y découvrent le maître des lieux, Artie Van Hulst, l'époux de Marianne, dont le corps de géant a été transpercé de 4 coups de fusil. Il mesurait 2,02 m. Voilà moins d'un an qu'Artier et Marianne Van Hulst ont acquis cette ancienne ferme gersoise pour en faire une résidence estivale. Comme beaucoup de Hollandais, ils cherchaient le bonheur dans les prés du sud-ouest français. Au lieu de ça, ils y ont été happés par leur tragique destin. Je ne le croyais pas. Je me disais, ce n'est pas possible, ce sont d'autres gens, c'est horrible pour ces gens. Mes parents, eux, vont revenir tout de suite, ce n'est pas possible. C'est au moment où les corps sont rentrés en Hollande que j'ai réalisé que c'était bien eux. Qui pouvait bien en vouloir à Artie et Marianne Van Hulst, à Johan et Dorothea New Venus, au point de les massacrer à 1200 km de chez eux? Qui avait pu tisser une haine aussi féroce vis-à-vis de Hollandais fraîchement débarqués dans le Gers? Pour en avoir le cœur net, gendarmes et journalistes ont interrogé encore et encore. C'est des gens qui parlaient très peu français, même les voisins ne les connaissaient pas. On a fait une espèce de petite enquête de proximité pour savoir si, auprès des commerçants, auprès du maire, etc., personne ne les connaissait. Personne sauf Kamel Ben Salah, un peintre d'origine tunisienne qui depuis quelques jours effectue au noir des travaux dans la propriété des Van Hulst. Très vite, Kamel Ben Salah est suspecté. Il n'aurait agi que par appât du gain. Cela signifie, vous imaginez, que un certain nombre d'objets ont été volés, que des cartes, vous le savez aussi, ont été volées et ont été utilisées, ce qui a bien sûr permis de faciliter notre enquête en suivant, je dirais, à la trace, pendant quelques jours, l'auteur de ces retraits frauduleux. Kamel Ben Salah va toujours nier farouchement, hurlant son innocence.
Mais la machine judiciaire est en route. Malgré le manque de preuves, plus rien ne va jamais l'arrêter. En 2002, Kamel Ben Salah est condamné à la prison à perpétuité, assorti de 20 ans de sûreté pour assassinat, acte de barbarie, vol et escroquerie. La condamnation révolte ses proches et ses défenseurs. Meneur, c'est eux les meurtriers, c'est pas mon frère. Les meurtriers, c'est eux, c'est pas eux. C'est pas lui, lui, c'est pas un meurtrier. On a choisi un coupable qui avait la particularité d'être un marginal, un arabe. Et on offre à l'enquête un justiciable sur mesure. Il faut maintenant qu'on ait le courage de dire ce qu'on a dit tout au long de l'audience, mais qu'on le dise publiquement, que Kamel Ben Salah est victime d'une erreur judiciaire. Les mots sont lâchés, erreur judiciaire. Et la comparaison est vite trouvée. L'affaire Ben Salah devient le reflet de l'affaire Omar Haddad, condamné en 1994 pour le meurtre de la veuve Marshall. Je pense qu'il y a quelques journaux de Paris qui sont venus en pensant que Kamel Ben Salah était forcément innocent. Il faut se souvenir que le premier procès s'est déroulé alors qu'en France, il y avait encore l'affaire donc, de Omar. Le fameux Omar m'a tué, voilà, Omar Haddad. Donc il y avait un petit peu ce contexte-là. Simplement, il peut y avoir peut-être un fond de racisme là derrière. Depuis, les passions se sont calmées autour de la Boupillière, la ferme d'Evan Hulst. Mais du fond de sa cellule, Kamel Ben Salah ne se résigne pas. Nous l'avons joint au téléphone. Peut-être alors, Kamel Ben Salah parviendra-t-il à lever les nombreux doutes qui habitent son dossier. Car pas un observateur ne saurait affirmer que l'on a répondu à toutes les questions que soulève l'histoire. Les doutes d'alors sont ceux qui persistent aujourd'hui. À savoir qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Le mobile, on peut en discuter. Et M. Ben Salah a toujours dit « je suis innocent ». Voilà, et voilà. Face à cela, l'accusation a ce qu'elle a toujours appelé un très gros faisceau de présomption. C'est vrai que si ce n'est pas M. Ben Salah, manifestement, il a eu beaucoup, beaucoup de malchance. Pourquoi si peu de certitude? Sans doute parce que les meurtriers sont parvenus à brouiller les cartes, au point que le carnage n'a été découvert que 48 heures après avoir été commis. Les gendarmes, on l'a vu, ont été prévenus le soir du samedi 22 mai 1999. Or, le supplice des quatre Hollandais s'est sûrement déroulé le jeudi 20 mai entre 23h et minuit. Ce soir-là, Marianne Van Hulst, Dorothea et Johan Nieuwenhuis sont sortis dîner. En quittant le restaurant, Marianne Van Hulst a emporté une salade gersoise pour son mari resté à la maison. On sait qu'il est 23h. Avant de rentrer, Johan Nieuwenhuis a retiré 2500 francs dans un distributeur automatique du village. Rentré à la Boupillière peu de temps après, les trois convives ont dû être agressés immédiatement. L'assiette gersoise posée dans l'entrée n'a pas été touchée. Les suppliciés n'ont pas le temps de retirer vêtements de pluie et chaussures avant d'être entravés, torturés, égorgés. Les enquêteurs en déduisent aussi qu'Arty, à cette heure-là, a déjà été battu. Le drame s'est donc bien déroulé le jeudi, pas le samedi. Entre les deux, le vendredi soir, Henri et Laurence Wagmans, des amis hollandais qui avaient fait découvrir le Gers au Van Hulst, devaient venir dîner à la Boupillière. Ils arrivent vers 19h. Étrange, il semble n'y avoir personne. Et c'était curieux. Tous les volets étaient fermés. On attend, même si ils étaient très précis en retard, c'est toujours coup de téléphone, hein, je suis de retard, bon, bon, bon. On a attendu. C'est un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure, et après. Ils nous placer une truc pour le linge. Pour sécher le linge, hein, yeah.
avec un papier écrit « Honger ». En français, c'est faim. Les volets, les portes sont fermées. L'entrée du jardin, cela n'était jamais arrivé, est barrée d'une longue chaîne. Aucune voiture à l'horizon. Les Van Hulst et les New Venus ont-ils dû précipitamment rentrer aux Pays-Bas? Peu probable. Ils auraient averti pour décommander le dîner. Inquiets, les Wagman passent leur soirée à tenter de joindre la Boupillière jusque tard dans la nuit. Ils passent la journée du samedi à faire des travaux dans leur propre maison, à Estramiac. De l'autre côté de la rue, ils aperçoivent leur voisin, Kamel Ben Salah, affairé à changer les housses de sa voiture. De toute la journée du samedi, Henri et Laurence Wagman n'ont jamais obtenu de nouvelles de leurs amis. En fin de journée, ils décident de retourner à la Boupillière. Ils emportent les clés que leur laissent les Van Hulst. Comme rien n'a changé depuis la veille, ils décident d'entrer. Le compteur électrique est coupé. Henri Wagman rétablit le courant. C'est morte. C'est une meurtre, tu as dit. Hein? Oui. C'est une meurtre. On s'en va. Hein? Et c'est bizarre, mais à ce moment, je coupe la lumière. Hein? Je ferme la porte parfaitement. Les Wagman n'ont aperçu qu'un corps. Les gendarmes font les trois autres macabres découvertes vers 22h. Kamel Ben Salah et Sandrine, sa compagne, ce samedi soir-là, font la fête avec leurs amis à la Feria de Vic-Fezensac. Le jeune couple ne rentre chez lui à Estramiac que le dimanche matin. Les gendarmes sont déjà à pied d'œuvre. Les experts en criminologie relèvent un maximum d'indices sur la scène du crime, sur les corps des suppliciés eux-mêmes. La maison en plein travaux est un capharnaüm. Autour des fenêtres, des chambranles de portes, de larges rubans adhésifs protègent les huisseries des coups de rouleau à peinture. Ces mêmes bandes adhésives qui ligotent et bâillonnent les membres de trois des victimes. Quels monstres ont pu perpétrer un tel massacre? Plusieurs professionnels, les gendarmes en sont persuadés. Et le mobile doit certainement être cherché ailleurs, dans la vie des victimes aux Pays-Bas. La vie de Johan et Dorothea New Venus, jeunes retraités, semble sans histoire. Ce n'est sûrement pas dans cette direction qu'il faut chercher. Celle de Marianne, la sœur de Dorothea, et d'Artie Van Hulst est beaucoup plus intéressante. Tous deux ont été conseillers municipaux de leur ville, Oss, au centre du pays. Tous deux sont membres influents du VVD, un parti politique des Pays-Bas. Marianne Van Hulst en a même dirigé la section locale de 95 à 97. Tous deux, enfin, continuent à entretenir des contacts réguliers avec plusieurs ministres du VVD. Ces meurtres pourraient-ils être le fait de basses œuvres politiques? Ça n'a rien à voir avec une piste politique. Monsieur Van Hulst faisait partie du parti politique libéral des Pays-Bas. Je ne sais pas si le MoDem était plus important. On pourrait dire que ça ressemblerait plutôt au mouvement de M. Bérou, par exemple. La piste politique est donc refermée. Mais une autre s'ouvre en grand. Artie Van Hulst, chef d'entreprise apprécié, dirige une société de matériel de sécurité pour l'armée et la protection civile. Voilà de quoi exciter les curiosités. Et s'il était mêlé à une sombre histoire d'espionnage? Et si les tueurs avaient débarqué de très loin? Peut-être il aurait été, entre guillemets, descendu par des gens venus du Moyen-Orient. On ne savait pas trop pourquoi, mais en fait, dans les premiers jours, il s'est dit un petit peu n'importe quoi. Vérification faite, Artie Van Hulst commercialisait des vêtements de protection pour les pompiers. Et inutile non plus de fouiller dans d'hypothétiques carambouilles financières. Les bilans de ces entreprises sont clairs comme du cristal. C'était une très mauvaise expérience. Mon oncle était un homme d'affaires pas facile, mais c'était quelqu'un de parfaitement intègre. Et lorsqu'on a déjà à vivre des moments aussi durs et difficiles, c'est terrible de devoir en plus supporter ce qu'on dit de mal de quelqu'un qui vous est cher, alors que c'est totalement injustifié.
troisième axe de recherche apparaît alors. Cette fois, gendarmes et magistrats semblent certains de tenir le bon bout. La police allemande leur signale qu'un tueur fou, Dieter Zurwein, s'est évadé de la prison où il purgeait une peine à perpétuité. Âgé de 55 ans, 5 fois meurtrier, Zurwein est aussi recherché pour un récent quadruple meurtre qui ressemble en tout point à celui de la Boupillière. Comme dans le Gers, les victimes ont été ligotées et bâillonnées. Comme dans le Gers, elles ont été tuées au fusil ou égorgées. Dans le même temps, à quelques kilomètres de la Boupillière, on découvre abandonné un break de couleur sombre, volé en Allemagne. Et on trouve dans l'habitacle un couteau de bonne taille. Si l'on ajoute à cela que Zurwein parle couramment français et néerlandais, plus à hésiter. Les magistrats diffusent sa photo dans la presse locale et lancent des appels à témoins. Ceux-ci sont fructueux. Dieter Zurwein a été vu dans un camping, un bar, un restaurant. D'ailleurs, j'ai rencontré une personne qui s'est dit persuadée d'avoir dansé avec lui à un bal à Florence. Puis après, il s'est révélé que tout ça, c'était complètement imaginaire. D'autres témoignages intéressent les enquêteurs. Dieter Zurwein s'est présenté quelques jours après la tuerie de Montfort au guichet d'une banque de Montauban, à 50 km de là. Les employés de l'établissement en sont certains, ils ont reconnu le tueur fou. Il est venu changer des traveler chèques en euros. Et comme c'était une des premières fois où on voyait traveler chèques en euros, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Ce qui fait qu'on a gardé, enfin, les personnes qui étaient au guichet l'ont gardé un peu plus longtemps. Ce qui, je suppose, aide à ce qu'elle l'ait reconnu. Cet Allemand est rentré tout seul et comme ça tardait un petit peu, un couple l'a rejoint et ils sont repartis ensemble. Arrêté le 19 août 1999 en Allemagne, Dieter Zurwein a nié en bloc. Non, il n'a volé aucune voiture durant sa cavale. Non, il ne connaît ni les Van Hulst ni les New Venus. Non, il n'a jamais mis les pieds dans le Gers et n'y a tué personne. Des négations qui n'ont pas convaincu tout le monde. On n'a jamais acquis la certitude qu'il n'aurait pas été dans le Gers ou dans le Lot-et-Garonne à l'époque précise des meurtres commis sur la personne de couple hollandais. Personne n'a jamais eu cette preuve. Monsieur le procureur de la République allemand, qui est intervenu dans le cadre d'une émission de télévision, a toujours dit qu'il n'avait jamais affirmé devant qui que ce soit que ce tueur en série allemand n'avait pas été, à l'époque des faits qui nous occupent, présent en France ou dans un autre pays proche du nôtre. Les enquêteurs français préfèrent abandonner la piste. De toute façon, ils en ont une autre sous la main. Depuis le départ. Le dimanche 23 mai 1999, dans la soirée, Sandrine apprend à son compagnon Kamel Ben Salah le meurtre des 4 Hollandais, ses employeurs occasionnels. Dès le lendemain, Kamel se présente spontanément à la gendarmerie. Il explique qu'il connaît les victimes du massacre, qu'il était chez eux le jeudi 20 mai dans la soirée. Tunisien d'origine, âgé de 34 ans, Kamel Ben Salah est peintre en bâtiment, en contrat emploi solidarité dans une commune voisine. Alors pour arrondir les fins de mois, il travaille au noir chez des particuliers. Henri Wegman a présenté Kamel Ben Salah à son ami Arti Van Hulst pour l'aider à la Boupillière en pleine rénovation. Pas pour le gros œuvre, juste pour les finitions. Il travaille souvent en horaire décalé, par mesure de discrétion vis-à-vis des autres ouvriers, ceux des entreprises officielles. En racontant son histoire, Ben Salah a ces mots qui éveillent l'attention des enquêteurs. Je suis peut-être le dernier à les avoir vus vivants. Donc à partir de cet instant-là, Kamel Ben Salah se désigne au service d'enquêteurs, se désigne comme un suspect potentiel et très vite, il va devenir le coupable non seulement potentiel, mais le coupable idéal. En effet, comment Kamel Ben Salah peut-il savoir qu'il pourrait être le dernier à avoir vu les victimes vivantes ? Personne ne sait encore que le drame s'est déroulé le jeudi vers 23h30 et non le samedi. Intrigués, les gendarmes interrogent le jeune peintre sur son emploi du temps. Kamel Ben Salah répond naturellement. Depuis le début de la semaine, il effectue des travaux de peinture au noir chez les Van Hulst, qui le payent bien sûr en liquide. Ils lui doivent d'ailleurs encore 4000 francs pour les travaux réalisés le mois précédent. Kamel Ben Salah leur fait confiance, comme eux lui accordent la leur. Le jeune ouvrier se présente vers 18h30 à la Boupillière, ce jeudi soir, pour finir les plafonds de la cuisine. Les Van Hulst et les New Venus ont prévu de sortir au restaurant.
Tant pis, Artie Van Hulst décide de rester avec son employé. Marianne Van Hulst, sa sœur Dorothea et Johan vont eux dîner dehors. Il est 23h30 lorsque Kamel Ben Salah décide de rentrer chez lui. Artie Van Hulst lui donne 1000 francs en liquide. Il lui promet de lui remettre les 3000 francs manquants le lendemain. En sortant de la maison, Kamel Ben Salah voit les phares de la voiture des New Venus entrer dans la propriété. Il s'en va. Tout le monde est encore vivant. Le lendemain, le vendredi 21 mai en fin de matinée, Kamel repasse à la Boupillière pour chercher son dû. Mais la maison est fermée. Kamel Ben Salah ne s'arrête même pas et poursuit son chemin jusqu'à Auch. Il passe un bon moment à la terrasse du rugby bar, puis se rend dans un garage automobile. Il a promis au père de Sandrine de changer deux pneus usagés de la voiture qu'il lui a prêtée et de faire une vidange. Il tient parole. Par hasard, il retrouve sa compagne venue faire des courses au supermarché. Il en profite pour acheter des housses neuves pour la petite voiture blanche de Sandrine. Voilà des semaines qu'elle lui réclame. Il l'échange en arrivant à Estramiac, sous les yeux des voisins, les Wegman. Le samedi, Kamel Ben Salah et Sandrine ne bougent que le soir. Ils filent retrouver des amis à Vic-Fezensac. Ils y font la fête, on l'a vu jusqu'au petit matin. Fatiguée, Sandrine reste à Estramiac toute la journée du dimanche. Kamel Ben Salah, lui, retourne à Vic-Fezensac en début d'après-midi. Il ne rentre que vers 20h. C'est alors que sa compagne lui apprend la mort des quatre Hollandais. Le récit est simple, mais les gendarmes ont des doutes. Toujours cette phrase de Kamel Ben Salah. « Je suis peut-être le dernier à les avoir vus vivants. » Ils ne mettent pourtant pas le suspect en garde à vue. Voilà sans doute leur erreur. Instant de colère pour moi, quand même. À partir du moment où je crois qu'on a décidé que Kamel était le coupable idéal. Des vérifications ont-elles été faites dans le véhicule de Kamel? Aucune vérification. Est-ce qu'on a demandé à Kamel quels étaient les vêtements qu'il portait ce soir-là et s'il était disposé à les remettre entre les mains des services de gendarmerie? Non. Ce jour-là, il ne se passe rien. Rien? Si ce n'est que l'on décide d'avoir Kamel Ben Salah à l'œil. Les gendarmes nous ont demandé permission d'installer une caméra à notre maison à Estramiac, en face de la maison de Kamel, pour surveiller sa maison, etc. On épie Kamel Ben Salah, on met son téléphone sur écoute aussi. C'est ainsi que les gendarmes recueillent une information capitale. La vendeuse d'une bijouterie d'un centre commercial de Toulouse informe Sandrine que les bijoux commandés 3 semaines plus tôt sont prêts. Une bague de femme, une chevalière, une plaque gravée, un piercing avec diamant. Plus de 5000 francs de bijoux. La moitié de la somme a été payée en liquide. Des billets neufs de 200 francs, se souvient la vendeuse. Les achats ont été effectués le samedi 22 mai entre 11h et 15h. En 2 jours, les 21 et 22 mai, Sandrine et Kamel Ben Salah ont dépensé près de 11 000 francs en liquide. Une somme énorme comparée aux revenus du couple. Des dépenses inconsidérées quand on cumule déjà plus de 20 000 francs de dettes et de découverts. Et puis, il y a cette date, le samedi 22 mai. Kamel Ben Salah, on s'en souvient, a affirmé que ce jour-là, il n'avait pas bougé jusqu'au départ pour Vic-Fezensac en fin de journée. A-t-il pu oublier cette sortie à 80 km de la maison et 11 000 francs de dépenses? Un autre élément vient conforter les soupçons des gendarmes. Le soir du meurtre, 16 cartes bancaires ont été volées aux 4 victimes. Et justement, 3 d'entre elles ont été utilisées le samedi 22 mai, peu avant midi, pour retirer frauduleusement 4 400 francs. Le distributeur automatique où ont été utilisées les cartes volées n'est qu'à 20 mètres de la bijouterie où Kamel Ben Salah a fait ses achats à la même heure. Un hasard? Les retraits qui ont été effectués correspondent, je dirais même, à quelques centimes près aux dépenses effectuées par M. Ben Salah. C'est exact. Les cartes des victimes hollandaises ont permis aux voleurs, aux assassins sans doute, de mettre la main sur 11 400 francs. Des sommes retirées en 2 temps. Avant ceux du samedi 22 mai à Toulouse, 3 retraits avaient été effectués à Mauvezin pour une somme de 7 000 francs au total. Ils ont eu lieu à 3h moins le quart dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai, quelques heures après le massacre.
D'autres tentatives de retrait ont eu lieu, infructueuses celles-là, une vingtaine en tout, du vendredi au dimanche, dans 8 communes différentes. Mais tous les retraits réussis ont un point commun évident. On a retiré de l'argent avec la carte de M. Niebenhaus. Parce qu'il faut dire une chose, M. Niebenhaus, c'est celui qui a le plus souffert dans l'ensemble. Il a été réellement torturé. Et on peut penser que c'est M. Niebenhaus qui avait donné les codes de ses cartes bancaires, puisque c'est uniquement avec ses cartes à lui que l'argent a été retiré. Les tentatives de retrait n'ont pas commencé au lendemain du meurtre. Non, elles débutent 4 jours plus tôt, le lundi 17 mai. Du lundi au jeudi, 19 utilisations suspectes de 4 cartes appartenant au Van Hulst sont enregistrées. Les premiers vols ont donc eu lieu le lundi 17 mai. Kamel Ben Salah travaillait à la Boupillière ce jour-là, comme d'autres ouvriers. Mais Kamel Ben Salah n'a pas de chance. Jamais, au moment des utilisations des cartes volées, il ne bénéficie d'un alibi solide. Le dimanche après-midi, par exemple, 8 tentatives de retrait ont lieu entre 16h et 19h. Ben Salah affirme être retourné alors à la Feria de Vic-Fezensac. Or, personne ne l'y a vu. Pire encore, le vendredi, en début d'après-midi, Kamel Ben Salah dit être allé à Auch, à la terrasse du rugby bar. Or, à 13h28, quelqu'un tente en vain de retirer de l'argent avec 3 des cartes volées à la Boupillière, dans un distributeur à quelques mètres de cette terrasse. Encore un hasard? Je pense que c'est vraiment ces cartes bancaires qui ont parlé le plus au départ dans cette histoire. Pour moi, c'est quasiment signé. C'est incroyable. Deux autres éléments viennent encore accuser le jeune peintre. D'une part, on relève 2 appels intrigants sur son téléphone portable. Ces appels ont été passés dans la nuit du jeudi au vendredi à 2h29 et 2h31 du matin. Mais personne ne décroche. Et qui Ben Salah appelle-t-il ainsi en pleine nuit? Il appelle chez lui où Sandrine est endormie. Pour les magistrats, c'est sûr, Kamel Ben Salah a menti. Il n'est pas rentré chez lui avant minuit. D'autre part, la police scientifique est parvenue à trouver des traces capitales. Sur les bandes adhésives qui entravent les membres et bâillonnent 3 des victimes, on relève des empreintes digitales et des traces de sang dont on extrait un ADN de Kamel Ben Salah. Un étau redoutablement puissant se resserre autour du peintre. L'accusation a, ce qu'elle a toujours appelé, un très gros faisceau de présomption. C'est vrai que si ce n'est pas M. Ben Salah, manifestement, il a eu beaucoup, beaucoup de malchance. Il y a tout ce faisceau de présomption qui fait que les jurés, autant au procès d'Auch qu'ensuite au procès en appel de Bordeaux, ont eu ce qu'on appelle l'intime conviction de la culpabilité de M. Ben Salah. En première instance, comme en appel, les jurés condamnent Ben Salah à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ont cru sans l'ombre d'un doute au scénario proposé par l'accusation. Kamel Ben Salah est donc arrivé à 18h30 à la Boupillière ce jeudi 20 mai 1999 pour poursuivre les travaux de peinture de la cuisine. Comme prévu vers 19h30, Marianne Van Hulst, Dorothea et Johan Nieuwenhuis décident de sortir dîner. Artie Van Hulst reste travailler avec son employé. Une fois seul, Kamel Ben Salah et Artie Van Hulst se mettent à la tâche. Tout en bricolant, Artie Van Hulst apostrophe Ben Salah. « Tu ne m'aurais pas volé des cartes bancaires que tu aurais utilisées ces derniers jours ?» lui aurait-il demandé avec autorité. Depuis le lundi, il vient de l'apprendre, 4 cartes bancaires lui ont été dérobées. Peut-être aussi l'entrepreneur hollandais a-t-il menacé Kamel d'avertir la gendarmerie de porter plainte. Blessé, furieux d'être ainsi menacé, effrayé à l'idée des ennuis judiciaires qu'on lui promet, Kamel Ben Salah sort de la maison, se saisit du fusil qui traîne au fond du coffre de son véhicule et revient. Artie Van Hulst est au fond de l'habitation dans l'atelier. Kamel Ben Salah l'y rejoint, toujours hors de lui. Il met son arme en joue et fait feu à 6 reprises. 4 tirs atteignent sa victime, 3 sont immédiatement mortels.
Kamel Bensalah, c'est que Marianne Van Hulst, Dorothea et Johan Nieuwenhuis ne vont pas tarder à rentrer, à donner l'alerte et à le désigner comme étant le coupable. Mieux vaut les éliminer eux aussi. Ils sont de retour vers 23h30. Marianne porte à la main une assiette de salade gersoise. Johan a en poche 2500 francs qu'il vient de retirer dans un distributeur. Kamel Bensalah les attend dans l'entrée de la maison, fusil à la main. Il pointe l'arme dans leur direction. Personne n'ose broncher, crier ou fuir. Menaçant, déterminé, Kamel Bensalah les fait se maîtriser mutuellement. L'un attachant, ligotant, bâillonnant les deux autres. Chacun dans une pièce avec des rubans adhésifs tirés d'un rouleau à portée de main ou arrachés du mur. Lors de ses travaux de peinture, Kamel se servait effectivement de ses rouleaux d'adhésifs pour protéger les huisseries et les bordures de fenêtres. Deux de ses victimes ainsi paralysées, Kamel Bensalah se charge d'immobiliser lui-même la dernière personne. Qui s'est chargé d'attacher qui? Dans quel ordre l'opération a-t-elle été menée? Pourquoi avoir séparé ainsi les trois victimes dans des pièces différentes? Personne n'a jamais répondu à ces questions. Mais qu'importe, Kamel Bensalah poursuit son tragique dessein. Il élimine les deux femmes, les égorgeant de la pire manière. Il fouille ensuite les chambres et s'empare des valeurs des deux couples de Hollandais. L'argent, les montres, les bijoux et les cartes bancaires. 16 en tout, voilà ce qui l'intéresse. Puis il retourne auprès de Johan, le dernier survivant dans la cuisine. Armé d'un couteau, il le torture, il lui taillade la pommette gauche, les avant-bras, les cuisses, les articulations des genoux. La douleur est insoutenable. Johan Nieuwenhuis finit par lâcher ce que son tortionnaire exige, les précieux codes secrets de ses cartes bancaires. N'ayant plus rien à attendre de lui, Kamel Bensalah achève le supplicier de 15 coups de couteau. Nous sommes le vendredi matin, il est plus de 2h déjà. En sortant de la boupillière, de son portable, Kamel Bensalah passe deux coups de téléphone. Sans doute veut-il rassurer Sandrine, sa compagne. Il est tard, mais va bientôt rentrer. Mais Sandrine a pris des somnifères et ne répond pas aux appels. Tant pis, Kamel Bensalah fonce à Mauvaisin, à 15 km de là, tester 8 des cartes récemment volées. Cette fois ça marche, les cartes du couple Nieuwenhuis lui permettent de retirer de l'argent, 7000 francs, 1100 euros environ. Les vendredis, samedis, dimanches, il essaye encore de faire cracher les billets des distributeurs automatiques des villages qu'il traverse. Seules 3 tentatives sont concluantes. Il parvient à arracher 4400 francs supplémentaires à un guichet d'un centre commercial de Toulouse où il dilapide son butin. Le lundi après-midi, il finit par aller signaler aux gendarmes sa présence auprès des Hollandais, simulant d'ignorer les horreurs qui se sont déroulées. Mais il a cette phrase malheureuse qui le trahit « Je suis peut-être le dernier à les avoir vus vivants ». Ce scénario donc a convaincu les jurés des deux procès. Des jurés fortement marqués par les images qu'on a choisi de projeter. Pour la première fois en France, dans une cour d'assises, on a montré le film tourné par les gendarmes le jour de la découverte du crime. L'intérieur de la maison, les corps mutilés des suppliciés, tout y est. Bensalah a failli tourner de l'œil. Il m'a demandé de suspendre l'audience, tout simplement parce qu'il voulait se reposer, parce que, comme beaucoup de gens, il a été extrêmement ému par ce qu'il vient de voir. Donc ça me semble être très très compréhensible et donc je ne vois pas d'autre signification en ce qui me concerne. Kamel Bensalah a revu sur le film des choses qu'il avait déjà vues avant, qu'il a essayé d'effacer de sa mémoire, qui lui sont remontées et qui l'ont probablement très affecté. J'ai revu ce spectacle horrible, bestial, affreux. Je pense que tout le monde dans la salle a partagé ce sentiment d'horreur. Les enfants des victimes ont préféré ne pas voir. Ils n'auraient pu le supporter. Oui, je pense que je sais tout sauf ce que je n'ai pas voulu savoir. Dans quelle position ou situation on a retrouvé mes parents. Parce que je ne pensais pas qu'il était utile d'avoir apporté ça aussi en moi. Mais je pense que je sais tout de ce qui s'est passé. Tout le monde n'en est pas si certain. Nombreux sont ceux qui pensent à l'époque comme aujourd'hui que Kamel Bensalah est innocent, que le scénario de l'accusation, trop bien huilé, ne tient pas.
Ces horreurs montrées sur grand écran, beaucoup sont persuadés que Kamel Ben Salah aurait été incapable de les commettre, les experts psychiatres en premier lieu. Ils l'ont dit à la barre, Kamel Ben Salah est doté d'un bon QI. Il ne présente aucun signe d'anomalie mentale, son agressivité est non significative. Bref, une telle personnalité peut difficilement être reliée aux faits extrêmement graves qui lui sont reprochés. Voilà qui corrobore les sentiments de ses proches. C'est un gars très bien. Très gentil, jamais une embrouille. Quand il y avait une embrouille entre nous, eh bien, il se mettait au milieu pour séparer. Il n'était pas violent, non. Mais moi, j'ai connu Kamel, j'étais dans la rue. J'étais SDF. Ouais. Puis tous les jours, il venait au bord du Gers. Hein. Puis on fumait un pet ou deux avec lui, on buvait un coup. Puis voilà. Il sait vivre, il sait comprendre les autres, écouter les autres. Il aime les enfants, il aime les animaux aussi. Et franchement, il n'est pas du tout méchant. Et j'en suis persuadé que ce n'est pas lui. Non. C'est impossible. Tuer, non, non. Respecter trop les gens. Non, non, c'est pas lui. Non. Je m'accrochais avec des gens, hein. Beaucoup de gens, je me suis accroché. Parce qu'il y en a beaucoup qui le croient coupable. Et je me suis fâché avec pas mal de personnes. Hein. J'ai dit non, non, c'est pas lui. Vous le connaissez pas. Et vous le connaissez, vous aurez jamais la chance de le connaître. Sandrine, elle, connaît bien Ben Salah. Elle vit avec. Et elle aussi a confiance en lui. Pour égorger des gens, il ne faut pas être humain. Moi, je ne sais pas. Kamel, ce n'est pas un inhumain. Ce n'est pas vrai. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il a un cœur gros comme... Non. Ce n'est pas possible. Elle est d'autant plus sûre d'elle qu'elle se souvient du retour de Kamel Ben Salah à la maison ce soir du jeudi 20 mai. Il est rentré aux alentours de 23h30, affirme-t-elle à une journaliste. Le four à micro-ondes avec lequel il se faisait du thé m'a réveillée. Pourtant... Ah mais Sandrine ne sera jamais crue. Sandrine dira des choses, elle les affirmera, toujours avec force, avec détermination, mais elle ne sera jamais écoutée, jamais crue. Trop de pistes dans ce dossier mènent vers Ben Salah, pour se poser trop de questions. Pourtant, contrairement aux apparences, aucune preuve incontestable ne peut être opposée au condamné. On a cherché des traces qui auraient pu le confondre en expertisant les vêtements, les chaussures qu'il portait ce soir-là, les deux véhicules à sa disposition, celui de son beau-père et celui de Sandrine. On n'a rien trouvé. Qu'importe ces incohérences, puisque les cartes bancaires ont parlé. Kamel Ben Salah n'a-t-il pas été vu avec certitude à proximité de distributeurs automatiques utilisés avec les cartes volées? Certes. Mais est-ce pour autant Ben Salah qui tenait ses cartes au bout des doigts? J'ai le droit de dire qu'il y a des preuves que ce n'est pas lui qui les a utilisées. Effectivement, des témoignages laissent à penser que ce n'était pas lui. Ils émanent de clients des banques qui attendent leur tour devant les distributeurs à l'heure précise où un inconnu utilise les moyens de paiement subtilisés à la boupillière. Tous décrivent des hommes athlétiques de type européen. Parfois châtain clair, parfois blond, dit une jeune femme. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Kamel Ben Salah, qui est de la couleur de ses origines et qui est marqué par le soleil et la Tunisie d'où il vient, et le grand blond que la jeune femme est en train d'observer? Rien de commun. Même au centre commercial de Toulouse, quand Kamel Ben Salah achète pour 5000 francs de bijoux, des gens observent l'utilisateur du distributeur tout proche. Il y a même une femme de gendarme qui a été capable de dire que c'était un grand blond, encore une fois, toujours pareil. Un grand blond qui avait procédé au retrait immédiatement placé avant celui qu'elle effectuait elle-même. Plus troublant encore, une caméra de vidéosurveillance a filmé l'utilisateur des cartes hollandaises lors d'une tentative frauduleuse de retrait. Malheureusement, le document est de très mauvaise qualité. Cette image a été projetée sur le grand écran de la salle de la cour d'assises, dans un silence de cathédrale. La personne qui s'est découpée sur ce film, qui est apparue, bien évidemment,
est apparu avec les imprécisions du film et la mauvaise qualité du signal. Mais j'ai cru, à cet instant-là, que le procès pouvait basculer. Parce que, incontestablement, personne ne pouvait dire que sur cette photographie, il pouvait s'agir de Kamel Bensalah. Tout ceci est passé dans une indifférence totale. Ce qui s'est passé ce jour-là devant la cour d'assises devait être un moment d'émotion. Ça n'a été un moment d'émotion que pour moi. Tout le monde est passé très vite. Ce n'était pas Kamel Bensalah qui venait de s'afficher sur le mur de la cour d'assises. Un dernier témoignage vient conforter ce sentiment. C'est celui de la demoiselle qui a retrouvé les cartes de crédit des quatre victimes. Car les 16 cartes ont été retrouvées au cœur d'une cité HLM de la région. Il est 19h30 environ le dimanche soir, 23 mai 99. Une voiture arrive, la portière s'ouvre, un bras se tend et jette un portefeuille. Une jeune fille de 16 ans observe la scène et ramasse les cartes volées. Elle est sûre d'elle. Il s'agissait d'une Fiat Punto blanche immatriculée dans le 31. Un département voisin du Gers. Cette jeune fille qui est interrogée à plusieurs reprises par les services de gendarmerie, parce qu'elle devient un témoin clé. Elle ne va jamais renvoyer vers la voiture de Kamel ou celle qu'il est susceptible d'utiliser. Elle ne va jamais décrire la personne qui vient d'agir de la sorte comme étant Kamel Bensalah ou comme pouvant être ressemblant à Kamel Bensalah. Admettons que Kamel Bensalah ne soit ni le voleur, ni l'assassin de la Boupillière. D'où lui seraient donc venus les 11 000 francs qu'il a dépensés le week-end qui a suivi le drame? La réponse est venue naturellement. Bensalah, on l'a vu, travaille parfois au noir et se fait payer en liquide. Par ailleurs, il deal du cannabis, un petit business qui rapporte. C'est vrai que c'est un gars qui avait beaucoup d'argent. Il avait l'argent, mais par ses trucs à lui, quoi. Il la faisait profiter aussi. Il y en a même qui en profitaient trop, moi je trouve. Mais bon, c'était sa vie. Hein. Le jour de la perquisition, je rappelle quand même qu'on trouve non seulement du shit, mais qu'on trouve également une somme d'argent qui est disséminée et qui représente environ 1500 francs. Donc Kamel, comme le dit Sandrine, a souvent de l'argent. De l'argent qui planque dans la maison. Peu à peu, le faisceau de présomption contre Kamel Bensalah s'étiole. Mais il a menti sur un point au moins. Deux appels passés de son portable vers chez lui à 2h30 du matin dans la nuit du meurtre prouvent que, contrairement à ce qu'il a dit, il n'était pas rentré à la maison avant minuit. Pas du tout, rétorque le condamné. N'arrivant pas à dormir, il s'est relevé, a fumé un joint et a voulu téléphoner à une amie. Mais par erreur, à deux reprises, il compose le numéro de son propre domicile. Effectivement, le relais qui a accroché les appels de Bensalah est bien celui qui couvre Estramiac, le village où il habite. Les appels parfaitement identifiés, parfaitement zonés, à partir ou par l'intermédiaire d'un relais, ce sont les appels qui sont aux alentours du domicile de Kamel ou dans le domicile de Kamel, pas ailleurs. Le peintre tunisien n'est jamais pris à défaut. Même les preuves réputées flagrantes sont en fait très fragiles. Retournons sur la scène du crime. On s'en souvient, trois des victimes ont été entravées et bâillonnées. Sur les bandes adhésives, on retrouve des empreintes et des traces de sang appartenant à Kamel Bensalah. Vous retrouvez des indices matériels de la présence physique de Kamel Bensalah à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur de laquelle il faisait des travaux, et à l'intérieur de laquelle il était susceptible de manipuler des outils, peut-être des couteaux, peut-être des fourchettes, mais également et surtout un rouleau de bande adhésive. Parce que quand on me parle de son ADN, rien d'extraordinaire à ce que cet ADN soit retrouvé également. Il a expliqué notamment que au moment où il découpait un morceau de ruban adhésif avec un cutter, il s'était légèrement entaillé un doigt et que ce doigt avait coulé, ce qui est normal, du sang s'était échappé de cette blessure microscopique d'ailleurs. Un dernier mystère plane enfin sur la Boupillière.
quelles ont été les armes du crime. On s'en souvient, deux des suppliciés, Marianne Van Hulst et Dorothea Nieuwenhuis, ont été égorgés. Johan Nieuwenhuis a été tué de 15 coups de couteau. Arti Van Hulst est mort de 4 tirs de fusil. Mais on n'a retrouvé ni l'arme blanche, ni l'arme à feu. Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas retrouvé le fusil, mais en tout cas, le fusil qui a servi correspondait à un fusil qui avait été en possession précédemment de Kamel Ben Salah. Faux. Kamel Ben Salah avait bien possédé un fusil jusqu'en novembre 1997. La police d'Auch le lui a saisi pour en avoir fait usage, en l'air. Et en fait, nous on était à table à la cuisine et il y avait la fenêtre ouverte. Et voilà, et en fait, il y a un pote à lui, en fait. Il a jeté une pierre à la cuisine. Et la pierre, elle a failli toucher ma fille. On était tous à table. Et ça l'a mis hors de lui, quoi. Et ce qui est normal, en fait, je sais pas, la pierre, elle aurait touché ma fille et ma fille, elle aurait été à l'hôpital, quoi. Ou peut-être plus de ce monde aujourd'hui, quoi. Et voilà, et ça l'a énervé. Donc il a pris le fusil et il a tiré en l'air dans le couloir. Et voilà. Les gendarmes ont beau chercher, ils n'apportent jamais la preuve que Kamel Ben Salah ait acheté un nouveau fusil ou s'en soit fait prêter un. Pas plus qu'ils ne prouvent qu'il ait eu une arme dans le coffre ou qu'il ait quitté la boupillière pour aller en chercher une, on ne sait où. D'autant qu'il lui eût sans doute fallu, non pas en trouver une, mais plusieurs. En effet, les experts en balistique ont déterminé l'usage d'au moins deux armes de deux calibres différents. La théorie ou la version selon laquelle il y avait eu deux armes, une carabine et un fusil de chasse, ça changeait tout, vous savez, pendant de longs mois. Quand on était en face de ces deux armes et des couteaux, il n'y avait personne pour prétendre, pour dire, pour affirmer en termes de vérité qu'il y avait un seul homme. Tout le monde était persuadé qu'il y en avait au moins deux. Jusqu'à ce qu'un expert vienne piteusement reconnaître que dans ses investigations et dans ses recherches, il s'était trompé. Plusieurs experts sans lien entre eux ont-ils pu se tromper en concluant à la présence de deux armes ? Difficile à croire. Et ceux qui n'y croient pas sont persuadés, comme l'étaient les gendarmes aux premières heures de l'enquête, qu'un homme seul n'a pas pu perpétrer un tel massacre. Tout seul, c'est pas possible. C'est vraiment impossible. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai entendu qu'ils étaient 5 en comptant Kamel. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas nettes, quoi. On n'a pas trouver des autres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des autres, mais on n'a pas trouvé. Et moi, j'ai dit, ce n'était pas seul Kamel. Il sait qui encore est dedans. Et quand il ne veut pas parler, alors c'est sa faute à ça. Ça veut dire, dès qu'il se taise, il est le seul coupable. Et si ce n'est pas vrai, il a parlé. Et quand il n'ose pas parler, parce que, à ce moment, les autres, il les tue avec le goût d'œil. Alors, c'est son problème à lui, mais pas le nôtre. Le problème est que trop de choses ne collent pas dans ce dossier. Les témoins des retraits décrivent un grand blond de type européen et non Kamel Ben Salah. La jeune fille qui a vu la voiture, d'où ont été jetées les cartes des victimes, est sûre d'elle. Ce n'est pas celle de Kamel Ben Salah. Le visage filmé par une caméra de vidéosurveillance n'est pas celui de Kamel Ben Salah. Les armes des crimes n'ont jamais été retrouvées et on ne voit pas où aurait pu se les procurer Kamel Ben Salah. Enfin, et surtout, le nombre des victimes, 4, la violence du carnage, son mode opératoire et la probable utilisation de deux armes à feu distinctes laissent à supposer que plusieurs tueurs ont dû intervenir. Le quadruple meurtre du Gers garde un relent de mystère. La défense de Ben Salah ne désespère pas de le lever un jour. Il y a un jeune que j'ai reçu qui m'a dit qu'il avait été à la gendarmerie, dire qu'il avait été le réceptacle de confidence qui lui avait été faite par une de ses anciennes amies, qui aurait été mêlé à un groupe, ce groupe aurait tué ce soir-là à la Boupillière. S'il y a une seule chance que je puisse accrocher de la crédibilité à ce qu'il me dit, j'hésiterai pas une seule seconde, pas une seconde.
Voilà de quoi rendre du courage aux condamnés qui, par le passé, a flanché à plusieurs reprises. À 5 reprises exactement, Kamel Ben Salah a cherché à intenter à ses jours. L'une de ses tentatives de suicide a été plus spectaculaire que les autres. En 2000, il s'est ouvert les veines au rasoir en plein interrogatoire dans le bureau même du juge d'instruction. Le crime de Montfort-Lès, on le voit, trop de questions sans réponse. Trop de personnes marquées, traumatisées, désespérées. Le condamné, son entourage, ses défenseurs, mais aussi et surtout les familles des victimes. Het is een hele zware bagage die je de rest van je leven mee moet dragen. C'est très difficile. Je suis toujours suivie par un psychiatre. Je prends toujours des médicaments. Il y a des jours où ça va mieux, mais il y a des jours où ça ne va pas. Et je dois continuer à vivre tous les jours. La tristesse, la détresse des enfants des victimes, elle, ne fait aucun doute. Leur peine est profonde, sincère, durable. Le jeudi 20 mai 1999, en massacrant Marianne et Artie Van Hulst, Dorothea et Johan Juvenius, un ou plusieurs tueurs ont condamné sans hésiter leurs 4 enfants à une peine à perpétuité. Et celle-là, personne ne pourra jamais la réparer.